le geste patriotique de Héritier Luvumbu, un symbole de courage, de fierté nationale et un appel à l'attention mondiale. Main sous forme de revolver sur la tempe, bouche muselée, les gestes a fait les tours du monde jusqu'à gêner les responsables de massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Les léopards l'ont fait. Les supporters congolais sur les gradins du stade Ebimpe à Alassane Ouattara l'ont fait également, même si les organisateurs ont refusé délibérément de diffuser la moindre image de ces messages symboliques pour dénoncer un génocide sous silence en RDC, perpétré par un homme, Paul Kagame, obstiné à pousser les RDF à s'aimer la mort sur le sol congolais. Symbolique justement pour nous de cette nouvelle campagne portée par des citoyens, notamment par des joueurs, que nous ici on a relayé pour permettre de porter le message plus fort. Il faut le saluer. Mais aujourd'hui nous connaissons les méthodes de l'autre côté. Aujourd'hui il faut d'abord nous assurer que sa sécurité n'est pas compromise. Parce qu'il a fait les gestes, vous-même vous parlez des substances nocives, etc. Je pense peut-être que le vice-premier ministre qui a sous sa conduite les services d'intelligence pourra nous en dire plus, mais ici, il faut nous assurer d'abord qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient en mesure de regagner le pays, et les autres questions pourraient être abordées en ce moment-là. C'est de mon point de vue. Monsieur le vice-premier ministre, concernant la première question... Dans une démarche audacieuse et patriotique, le footballeur congolais Héritier Luvumbu s'est récemment retrouvé au cœur d'un récit puissant, transcendant le monde du sport. Après avoir posé un geste symbolique sur le territoire de Kagame, Luvumbu a dû retourner dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, RDC, où il a été accueilli avec un honneur et une reconnaissance sans précédent. Le trajet de Luvumbu du Rwanda à ses villes natales de Goma et de Kinshasa a été marqué par une série d'honneurs accordés par le gouvernement congolais. À son arrivée à la principale barrière, un véhicule officiel de la présidence attendait Luvumbu, le conduisant directement au salon d'honneur réservé aux autorités, députés et diplomates. La route entière était sécurisée par la garde républicaine, assurant un voyage sûr et digne jusqu'à l'avion, où il a été installé en classe affaires business class pour le volume vers la capitale congolaise. Cette réception exceptionnelle par le gouvernement a profondément résonné auprès des Congolais et des Rwandais vivant à l'étranger, ainsi que dans la communauté sportive. Les gestes étendus à Luvumbu ont mis en lumière l'engagement du gouvernement du président Tshisekedi à honorer et protéger ses citoyens. Mutungani Pascal, l'entraîneur du club de football Les Vaillants, a exprimé son admiration pour l'engagement du gouvernement. À travers la façon dont Luvumbu a été traité et accueilli, le gouvernement de Tshisekedi a démontré son profond attachement envers ses citoyens. Qui ne nous respectera pas si notre gouvernement nous honore à ce niveau ? Pascal a également souligné la solidarité affichée par les compatriotes congolais qui ont contribué à payer le billet d'avion de Luvumbu de Goma à Kinshasa, mettant en avant l'attachement des citoyens à leur pays. En réfléchissant sur l'acte courageux de Luvumbu à Kigali, au Rwanda, il devient évident que son geste silencieux parle fort. En faisant ce que aucun Rwandais à Kigali n'ose faire, Luvumbu est devenu la voix de ceux qui ont perdu la vie en raison de la guerre de Kagame en RDC. L'acte a servi de rappel poignant des atrocités et des bains de sang dans le Nord-Kivu, forçant le régime de Kagame à prendre conscience. La symbolique du geste de Luvumbu est comparable à tirer un coup de feu sur le sol rwandais, ébranlant le régime de Kagame dans ses fondements. Cela soulève des questions sur les conséquences potentielles lorsque les forces armées congolaises, les FARDC et des groupes comme Ouazalendo décideront de porter la guerre sur le sol rwandais. Au-delà de son impact symbolique, le geste de Luvumbu est devenu un puissant outil pour attirer l'attention mondiale sur les atrocités perpétrées par le régime de Kagame en RDC. Alors que le monde observe, il y a un appel au gouvernement de Tshisekedi pour promouvoir et encourager de tels gestes, exhortant d'autres personnalités influentes à utiliser leur plateforme pour mettre en lumière la situation du peuple congolais. Le pouvoir silencieux mais résonnant de l'acte de Luvumbu souligne l'urgence de traiter les violations des droits de l'homme et la violence dans la région. La sensibilité de Kagame à la dissidence, un aperçu des implications des accusations de la RDC. La réaction récente du gouvernement de Kagame à un simple geste au Rwanda laisse beaucoup se demander sa tolérance à la dissidence. En contemplant cette sensibilité, cela soulève la question inévitable de la manière dont le régime réagirait à un défi plus substantiel, comme une attaque de la République démocratique du Congo, RDC. Les accusations en cours de la RDC contre les forces de défense rwandaises, FDR, de Kagame pour des attaques présumées dans le Nord-Kivu ajoutent une couche de complexité à la situation. La RDC soutient que ces actions ont entraîné un bilan écrasant, avec plus de 12 millions de décès et plus de 6 millions de réfugiés. La partie perplexante réside dans le fait que le gouvernement de Kagame montre un malaise visible face à la dissidence interne, symbolisée par un simple geste. Cela nous amène à réfléchir aux conséquences potentielles d'une action plus affirmée, telle qu'une confrontation militaire initiée par la RDC. Les accusations contre les FDR de Kagame ne sont pas nouvelles, mais l'ampleur et la gravité des atrocités présumées exigent une attention mondiale. Compte tenu du contexte historique et des tensions profondes entre les deux nations voisines, la question de la réaction du gouvernement de Kagame à une confrontation militaire est cruciale. Si un simple geste peut susciter une telle réaction, on ne peut s'empêcher d'imaginer l'intensité de la réponse à un défi plus tangible. Les accusations de la RDC contre les forces de Kagame sont accablantes et elles soulèvent des inquiétudes quant à la crise humanitaire dans le Nord-Kivu. La perte substantielle de vie et le déplacement de millions de personnes ne peuvent être ignorés, exigeant une enquête impartiale et des comptes pour les responsables. Le rôle de la communauté internationale devient essentiel pour aborder ces allégations, traduire en justice le régime de Kagame et promouvoir une résolution pacifique afin d'éviter une escalade supplémentaire. Une confrontation militaire entre la RDC et le Rwanda aurait des conséquences dévastatrices non seulement pour les deux nations impliquées, mais aussi pour la stabilité de toute la région. Alors que nous observons la montée des tensions et des accusations, nous devons plaider en faveur d'enquêtes transparentes et de la responsabilité pour les violations des droits de l'homme. La situation des populations affectées dans le Nord-Kivu doit être au premier plan des efforts internationaux, exhortant les dirigeants à privilégier la paix plutôt que le conflit. En conclusion, le malaise démontré par le gouvernement de Kagame en réponse à la dissidence interne sert de préambule aux défis potentiels qui pourraient découler des accusations croissantes de la RDC. La gravité de la situation exige un effort international concerté pour aborder les causes profondes, assurer la responsabilité et œuvrer en faveur d'une paix durable dans la région troublée. Il vient de payer un lourd tribut, le footballeur congolais Héritier Luvumbu. Ce joueur évolue à Rayon Sport, un club rwandais. C'est pour avoir posé un acte héroïque dans un stade de Kigali pour célébrer son but en interpellant l'opinion rwandaise sur les massacres dans la partie est du pays. Cédric Kenina nous en dit plus. La main sous forme de revolver sur la tempe, bouche muselée, les gestes ont fait le tour du monde jusqu'à gêner les responsables de massacres dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les léopards l'ont fait. Les supporters congolais sur les gradins du stade Ebimpe Alassane Ouattara l'ont fait également, même si les organisateurs ont refusé délibérément de diffuser la moindre image de ces messages symboliques pour dénoncer un génocide sous silence en RDC, perpétré par un homme, Paul Kagame, obstiné à pousser les RDF à s'aimer la mort sur le sol congolais. Comme un rêve, Un héros est sorti de Kigali. Il s'agit d'Héritier Luvumbu, exacerbé par ces massacres dans son pays, ancien de l'ASV Club, actuel sociétaire des Rayons Sport du Rwanda. Celui-ci a devant des milliers de supporters rwandais célébré son but en interpellant l'opinion rwandaise, du moins les consciences rwandaises emprisonnées par les cyniques Paul Kagame. Dans un stade plein de loups, lui qui est à l'instant un agneau, oui, un agneau héroïque qui a bravé la peur de voir son contrat avec les clubs rwandais résilié. Ce qui a été fait aussitôt, et plus grave, menaces, injures s'en sont suivies, jusqu'à être déclaré personne non grata. La terre a donc tremblé à Kigali à travers un simple match de football. Sans aucun coup de feu, Luvumbu, main sur la tempe, bouche cousue, s'est adressé au monde via la capitale rwandaise. Il s'agit ici d'un message fort face à la loi de l'Omerta sur l'agression rwandaise. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est de nouveau à Goma, au Nord-Kivu, après son déplacement de vendredi dernier. Jean-Pierre Bemba est arrivé tôt ce mardi dans le chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, confirme l'implication de la SADC et de la MONUSCO aux côtés de FARDC, Mimouzouli et Nicole Tsessep-Loka pour le reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est déterminé à restaurer la paix dans sa partie orientale. Voilà qui justifie la visite qu'effectuent les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et des anciens combattants à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Aussitôt arrivé à Goma, Jean-Pierre Bemba-Gombo a présidé quelques réunions au centre de coordination des opérations avant de rassurer la population de l'implication de la SADC et de la MONUSCO aux côtés des FARDC. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'est aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours, et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. J'aurais confirmé qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. C'est en l'espace de 4 jours que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba-Gombo, est revenu à Goma pour suivre de près la coordination des opérations sur le terrain.